Fidèle mon chéri, ancien directeur ministère intérieur, en bas code, red branché, nap tourné pour détailler. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Info 24. C'est toujours avec même plaisir, moins content de rejoindre nous à chaque fois pour me porter pour une nouvelle vidéo. Fidèle mon chéri, ancien directeur ministère intérieur, il vient joindre arrestation li nan moment n'a parlé à li nan commissariat Pétionville. Fidèle mon chéri, c'est allié pouvoir en place là, ancien candidat pour poste sénateur dans le département l'Ouest là. L'étape dirigée ministère intérieur côté gain diverses accusations qui étaient posées sous dol tant qu'au massacre la Saline, tant qu'au monde qui tape vendre visa pour aller les États-Unis, visa qui était là disponible pour régler affaire ministère, bien finalement chez lui-même il était utilisé pour le faire cob selon divers témoignages qui étaient faits dans le cadre affaire ça. En plus, le monde dit qui fait fidèlement mon chéri lui-même. Il n'est pas arrivé à une arrestation, il n'est pas en prison pour le tap répondre à une question. Pour le tap répondre à une question à la justice, c'est parce que c'est partisan pouvoir lié. Et bien finalement, il arrive à une arrestation, jeudi. Nous allons inviter à suivre quelques commentaires dans le cadre affaire ça pour plus de détails. Yo arrêté ancien directeur général du ministère intérieur, là, Fidèle Monchéri, selon Edmond Jean-Baptiste, qui sont confrères et. Dans Matin Caraïbe. Donc, monsieur t'a circulé dans machine qui t'a gagné un ancien plaque officiel. Donc, la police procédait à arrestation. Est-ce que dans le moment où on a parlé là, toujours Kembel, ou bien est-ce que libéré? Nous pouvons pas qu'on détail ça, mais pour le moins, il y a quelques. Ce matin même, il vient d'être arrêté par la police, selon information que Edmond Jean-Baptiste confirmait. Peggy, c'est pour me dire où tout à l'heure on t'a dit où et moi certain on pas faire avocat de personne acteur qui sous panel là non. Ouais, émission Moment Vérité jeudi a je crois que il y a des confessions qui vont le faire. Il y a des aveux qui vont le faire. Parce que c'est où pour faire aveux? Non. Ah, okay. Ouais, colonel Lamdou comme un expérimenté. Ouais, il pas confortable dans la situation qu'a développé dans le pays. Ouais, Jean colonel rebus son qui verbeux. Est-ce qu'on veut élaborer sous question coup d'État ou bien complot ou bien tentative? Mais un seul bagage que nous a dit, il y a eu un complot contre la sûreté intérieure de l'État. Merci. Et que la justice avec la police doit assumer responsabilité parce que peuple haïtien, mes amis, tellement son société côté nous cultiver l'hypocrisie, l'immoralité dans la politique, moun ki ban nous indépendance là, qui était à l'avant-garde de la bataille de l'indépendance. Nous voulons parler de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Il a été lâchement assassiné. Et c'est depuis le 17 octobre 1806, peuple haïtien a vivre calvaire. Haïti n'a tout mal ça. Ok, merci. Et qui te fait parole à circuler, avant de me rejoindre le sénateur Steven Benoît, qui te passé par Alain Alfred de Cogit, de la société civile. Bon, la même question. Qui sont comprendre dans la parole coup d'État ça? En réalité, gagné plusieurs thèses qui commençaient discuter pendant les derniers jours. Gagné monde qui commençait à demander par rapport à l'image qui t'a circulé sur les réseaux sociaux. Est-ce que effectivement, t'es gagné de réflexion qui t'a fait pour t'es changer de données
dans la journée 7 février 2021. Ça, c'est une thèse qu'un pile monde a réfléchi sous lui. Mais moi-même, pour avoir suffisamment de données pour aborder. Mais, gagner un sujet que je pensais par rapport à l'engagement que moi gagné pendant au moins les 15 dernières années, je pense que je peux plus ou moins parler de lui, c'est justement dynamique de sa coup de force qui fait contre la constitution haïtienne. Et nous sommes une institution en société civile là depuis 2007. Alors ça sont d'autres sujets que nous pouvons aborder. Non, non, c'est le même sujet, hein, on va le comprendre rapidement. En 2017, nous publions, nous avons acheminé une lettre ouverte par les trois responsables ou bien les trois principaux pouvoirs de l'État pour nous surtout alerter sur la nécessité pour nous assumer la responsabilité par rapport à renouvellement institution. Qui te me dit que dans lettre ouverte, tout l'ouvrir ça qui sous site internet le Nouvelliste, nous t'es justement une rare institution qui te reconnaît que tu dois gagner élection pour renouveler premier tiers Sénat dans fin année 2017. Parce que par rapport à modification que tu as faite dans la constitution, quand le V7 là, je pense que si, sénateur Sylvain Benoît Académie, Tim Sim, peut-être. Allez, là, non, allez, on va comprendre rapidement, Peggy Jean. Dans notre sujet non, c'est le même sujet. C'est le même sujet pour qui raison, Peggy? Président de la République là. On a dit que qu'on recule qu'on prend. Donc on ne peut pas dire oui, tu as un coup d'État, non, pas de. Mais un coup de force qui fait contre la constitution, c'est la mienne. Non, mais c'est pas de sa question. Bon. On parle de coup d'état, Peggy. C'est par rapport à ça. Je parle de ça que le gouvernement a dénoncé. Je parle de ça qui baille arrestation que le baillot environ 23 monde, etc. Je parle de ça. Bon, donc là, où est que il y a plusieurs scénarios qu'on peut réfléchir. Je veux dire, il y a deux monde qui croient que gagner effectivement, parce que gagner intervenant avant Oxo Deal, t'assembler, t'es gagné de discussion, de planification, t'assembler faite. Ok, pour ta changer, parce que je ne vais pas même pour me positionner sur ce sujet ça. Mais moi-même, je dis que au niveau de la société civile, nous constatons dans la journée 7 février 2021, un coup de force, ok, le coup d'État tout, qui fait contre la Constitution. C'est qui est-ce qui fait les? Écoute, c'est le monde qui était là pour respecter la Constitution. C'est l'ancien président Jovenel Moïse. Il fait un coup de force, ça que grand pile moun rele un coup d'État contre la Constitution. Maintenant, si vous m'avez parlé de coup d'État, ça, vous pensez que m'avez suffisamment d'éléments pour m'aborder. Merci. Talon Avinsoli, on a jeune sénateur Steven Benoît. Et sous. Alors, bon, sous même question.